de tour. Non mais tu crois vraiment que tous ces trésors nous attendent gentiment en plein milieu d'un marché? Ce serait complètement dingue. Mais on en a déjà vu des trucs dingues. Ça, tu peux le dire. Regardez-moi, j'allais. Tu as raconté que tu vends les produits volés. Sully, hey, il m'a volé ma pomme. De nos jours, on peut plus faire confiance à personne. C'est beau. Ce sont des haricots de limo tropical. Ah, nous y voilà. C'est fermé. Il va falloir qu'on se faufile à l'intérieur. Discrètement. Oui, c'est ce que je voulais dire par se faufiler. Hé, regarde! La fenêtre là-bas, elle est cassée. Sully, je pense qu'on peut passer par là. C'est parfait. Oh là, ça me semble interminable. Tout va bien pour toi? T'avances à ton rythme et moi j'avance au mien. Oui, au moins, on a le temps d'apprécier cette belle vue. Bon, on va faire le tour des lieux. Le sceau d'Edward Inglin, comme indiqué sur la carte. Qu'est-ce qu'on cache exactement? Très bonne question. Que ce clocher. Ouais, ça tu l'as dit. Tiens, qu'est-ce que tu paries? Répondeur. Salut Sam. Ton frère et moi, on a trouvé la bonne tour. En fait, pas très performant le réseau dans cette ville. Allez, pas la peine d'attendre plus longtemps. Reviens tout de suite.
laisser ouvrir la porte. C'est une façon de faire. Tout va bien ? C'est bon. Regarde. La pièce. Tu la veux ? Ouais, bien sûr, pourquoi pas. On descend voir ? Je croise les doigts pour qu'on tombe sur les tonnes d'or et de bijoux. Sam, enfin, tout va bien ? J'ai fini de fouiller ma tour, j'ai rien trouvé. Ouais, bah, nous, on est au bon endroit, il n'y a aucun doute. Viens vite nous rejoindre. Ah bon, t'es sérieux ? Ok, ok, j'arrive. Il arrive. Cool. Je suis là, t'inquiète. Oh. Hey, ce serait pas nos gars, là ? Ouais. Henri Avric, Thomas Thieu, complice de toujours. Ils ont fondé quoi ? La pire de toutes les chasses au trésor. Ce sont les sceaux d'Avry et de Thieu. Mais ils sont légèrement différents. Ouais, il y a des motifs d'étoiles dessus. Ils pivotent. Dans quel sens je dois les tourner ? Symbole de pirate. Adam Baldridge, Anne Bonny et Christopher Condon. Il y a beaucoup trop de possibilités. Et si on allait voir où conduit cette porte ? J'espère encore trouver un trésor ici. Tiens, regarde, j'avais raison. Baldridge, Bonny et Condant. Magnifique. Mais qu'est-ce qu'ils font là exactement ? Allons le découvrir. Bonny était rousse. Ah ouais. Tiens, des étoiles. Ce sont les mêmes que celles sur les sceaux d'Avry et de Thieu dans l'autre salle. Ouais, t'as raison. C'est vrai, Condant était appelé Billy. Voilà encore un de ses motifs d'étoiles. Ouais, mais celui-là est un peu différent du premier. Ah ouais, bien vu, dis donc. Merci. Tu vois, je suis pas seulement qu'un beau gosse. Ah, quelle moustache. Presque aussi impressionnante que la tienne. Ouais, pas mal. Qu'est-ce t'en dis ? Le sceau d'Avry et celui de Thieu. Les étoiles dessus s'alignaient, tu te souviens ? Il paraît que celle-là aussi.
coincé. On n'est pas coincé. Arrête. Ton téléphone. Ouais. Tu l'appelles à un ami? Pas loin. Je l'appelle Sam. Jamais on trouvait pas le trésor, on pourrait toujours les vendre à un musée. Concentre-toi déjà sur les étoiles. Ok, c'était pour dire. William Mays. Américain? Ouais, de Rhode Island, comme Thomas Tew. Eh ben voilà. Ouais, t'es encore dans la tour? Je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, dis-moi juste ce qui tu vois. Alors déjà, les dauphins, c'est Richard Want. Ensuite, le trident, c'est Joseph Farrell. Et les deux mains avec la perle, c'est William Mays. Super. Reste dans un endroit où tu captes, au cas où j'aurais besoin de toi. Mais Nathan, t'as trouvé le trésor? Non, pas encore. Mais j'ai un mécanisme à résoudre. Je te raconterai. Des livres, un globe. Ce Want, ça devait être un érudit. Ah, Richard Want. Il était le capitaine du Dolphin. On dirait que lui et Baldridge, ils faisaient un concours de la plus belle moumoute. Tu peux m'aider, celui? J'arrive. Merci. C'est droit? Mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Bah, ça me gêne. La tête de Farrell. Il n'a pas envie d'être là où il est. Beaucoup, tu les reconnaisses pas. Mais si, je les reconnais. Je veux juste vérifier que Sam aussi, parce qu'il aime se sentir utile. C'est juste ça. Ah ouais, c'est juste ça.
torche qui s'est décrochée. Viens, on va voir ce qui reste. Je reconnais pas ce type. Il a l'air beaucoup plus jeune que les autres pirates. Tiens, Sam vient de me répondre. Ah, tu vois Sully ? Apparemment, Sam n'a pas toutes les réponses non plus. C'est moche de jubiler. Je sais. On peut se concentrer sur les peintures.
tiré. Tu sais, ça me fait penser à... Attends. Qu'est-ce que tu fais? T'as juste pris des photos. Prends ça. Ceux qui passaient ces épreuves, ils avaient sûrement pas de smartphone sur eux. Oh, t'es sûr? Alors, dans ce cas, ils avaient qu'un moyen de trouver l'indice suivant. Ça? Des indices? Ouais, fais voir. Et voilà. Oh, oh, oh. Alors, ici, ça se pourrait bien être des alizés. Ouais, et ici, on dirait des latitudes. Ouais. Si je comprends bien, va falloir qu'on remette les voiles, Mathieu, c'est ça? Quoi? Rodeus quad licentia. Non, non, c'est pas possible. Quoi, pas possible? Oh là là, c'est tellement évident. Nate! Pourquoi ça m'a pas sauté aux yeux? Arrête de jouer les mystérieux, c'est bon, hein. Dis-moi plutôt de quoi attends, tu parles. Attends, attends. Sam, t'as eu les photos? Salut, Rafe. Ça fait un bail. Comment t'as eu ce numéro? Sullivan l'a laissé sur une serviette? Si seulement. Ça aurait pu me coûter que quelques verres de rhum. Mais non, au lieu de ça, j'ai dû payer le prix fort pour vous trouver. Ah, j'espère que t'as pas trop dépensé dans toute cette histoire, parce que la concurrence est rude. Ouais, c'est vrai que t'as pas trop mal assuré jusque-là. Mais tout ce qui compte, c'est de mettre la main sur le trésor d'Avry en premier. Est-ce que tu me lances un défi? Nate, tu sais que je suis du genre joueur, mais ma partenaire, elle est plutôt du genre à se dispenser de prendre des risques inutiles. Wow, Rafe Adler, qui reçoit des ordres de quelqu'un d'autre. C'est fou ce que les temps changent. Écoute, Nate, je vais te faire une offre qui sera valable qu'un temps. Tu laisses tomber, tu rentres et tu vis ta vie. Et je suis prêt à tout te pardonner, en souvenir du bon vieux temps. Aussi tentant que ça puisse paraître, Rafe. Je t'avoue quand même que... pas trop mon genre de renoncer alors que je suis en tête, tu vois. Très bien. Rendez-vous quad licencia pour tuer la liberté. Très belle photo, Nate. Bel angle de vue. T'as piraté mon téléphone. Tu m'as volé la croix. Écoute, Nate. Si t'es à moitié aussi malin, tu vas accepter notre offre. Tu décides quoi? Ça m'a fait vraiment plaisir de te parler après tout ce temps, mais je dois prendre cet appel. Quoi? Dis-moi, t'es au courant que sur les téléphones actuels, il y a des puces GPS, hein? À bientôt, mon pote. Merde. Laisse-moi deviner, des types armés vont débarquer dans le coin. Sam. Pour Dieu et la liberté. Nathan, tu sais ce que ça veut dire? Sam, écoute-moi. Tire-toi de là où tu es et détruis ton téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Rafe nous a localisés. Sam! Bon sang. Hé! Je t'en paierai un autre. Sully. Je crois que c'est la tour de Sam. Aucun doute, c'est bien la tour de Sam. Allez, viens.